Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Yeah! Alors, si vous êtes tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go! Professionnel à tous. Je suis chaud aujourd'hui, parce que nous sommes sur Nyan's Reborn. Yeah! Et ce dont nous allons parler ici, mes frères et sœurs, vous n'avez pas imaginé? C'est tout simplement étrange, étrange. Mais il faut que quelqu'un vous explique quand même, pour que vous découvriez des choses que vous ignorez. C'est pourquoi Nyan's Reborn est né. Alors si vous êtes chaud, sautez un peu, et let's go! Nous sommes chauds aujourd'hui. Si Nyan's Reborn, c'est comme ça, et Nyan's Reborn Family, c'est ça. Ok, retour dans le but du sujet maintenant. Bien. Comme vous l'avez déjà vu dans le titre, on nous parle d'un enfant de 12 ans qui a signé un pacte avec le diable et qui s'est marié avec une sirène. Quelqu'un m'a dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible qu'une personne comme vous et nous, surtout un enfant, peut-il se marier à une sirène? À peu forte raison signer un pacte avec le diable. Comment est-ce possible? C'est un témoignage tout simplement, mes frères et sœurs. C'est un témoignage. C'est un enfant lui-même, c'est lui-même qui nous a rendu ce témoignage qu'ils étaient signés sur le bord. Et dans ce témoignage-là, il nous a expliqué ce qui s'est passé. Quand nous allons vous raconter ça, vous allez comprendre au fur et à mesure de quoi il s'agit. Voici ce qu'il a dit et ce que nous avons retenu. Il dit que quand il est né dans une famille où on adorait déjà les trucs du... Vous voyez, on adorait déjà le diable en un mot. On faisait des fétiches, on faisait de telles choses. Et même son père était un adorateur de Satan. Et un jour, son père l'a fait connaître un de ses amis. Et c'est cet ami en question qui l'a... Un jour, proposer de l'accompagner. Et son ami lui a dit, est-ce que tu m'accompagner? Et c'est à cette balade qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où il a été initié. Et quand on est initié à l'Okitis, il y a des choses qui se passent. Il y a des trucs assez étranges qui arrivent. Alors, c'est dans cette histoire qu'il a eu à rencontrer quoi? Le diable. Il a vu Satan. Il était jeune. À son jeune âge, il a rencontré qui? Le diable lui-même. Une fois qu'il a rencontré le diable, là, c'est cadré. Mais quand le diable l'a vu, il a dit, mais comment se fait-il qu'un enfant pareil arrive ici? Et l'enfant, bizarrement, avait été initié et il avait déjà fait ses preuves dans l'occultisme. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on l'a initié là, il a subi une formation, il a été développé, il a subi des choses extraordinaires avant d'arriver
jusqu'à ce niveau. Et ce sont des choses vraiment étranges. Étranges. Quand il est arrivé là même face au diable, vous savez ce qui s'est passé? Waouh! Ça, c'est hallucinant. Le diable lui a posé la question, mais il dit, savoir, mais sais-tu qui je suis? Il a dit, oui. Il ne sait pas clairement, bon, comment tout ça, ça se passe, mais il a suivi un processus d'initiation où il est arrivé ici. Et le diable a dit, faut savoir que tu as été choisi, c'est ton destin. Tu as été choisi pour me servir. Vous comprenez? Et c'est là qu'il a eu à signer un pacte avec le diable. Et le diable a dit, pour que ce pacte soit solide, il faut absolument que tu te maries. Voilà. C'est dans cette histoire-là qu'il a eu à faire quoi? À se marier à une sirène. Mais il est enfant, il a 12 ans. Comment va-t-il se marier maintenant? Voici ce qui s'est passé. Quand la sirène est venue, elle était grande. Elle était déjà, elle avait déjà notre taille. Vous voyez? Et ils ont eu le diable là-bas mystiquement. Ils ont fait une invocation. Et ils ont transformé cette sirène en une fille qui a le même âge que ce jeune homme, que ce petit. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Vous savez que dans le monde des ténèbres, une fois que vous êtes marié à une sirène, votre puissance augmente. Ah oui, c'est à cette situation que la puissance de l'enfant a augmenté et il s'est mis à commettre des crimes dans le monde spirituel, fait des trucs bizarres dans sa famille et détruit des filles. Ah! Quoi? Comme ça? C'est là que ça commence. C'est comme ça que ça se passe. Mais j'hallucine ou quoi? C'est son témoignage. Il a dit plein de choses après. Mais comme nous avons dit, c'est l'essentiel qui a été révélé. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo que nous allons poster après, rien que pour vous. Que vous puissiez entrer en contact direct avec ce témoignage sur Nuance Rebar. Vous savez qu'aujourd'hui, là, tout est possible. Et le diable initie les enfants. Et pour initier les enfants, c'est facile. On n'a pas besoin d'être trop fort dans l'occultisme. Par la une simple nourriture seulement, on peut envoûter l'enfant. Et même à l'école. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les enfants sont plus susceptibles d'être possédés ou encore sorciers que de grandes personnes. Je vous le dis. J'avais dit qu'aujourd'hui, de la manière dont on voyait les enfants de façon simple et inoffensive, c'est plus la même chose aujourd'hui. Laissez-nous vous dire ça. Si vous êtes dans ce cas, réveillez-vous. Et voici un moyen très intéressant par lequel on initie facilement les enfants. C'est pas quoi? Selon vous, c'est pas quoi? On vous a dit la nourriture, mais aussi les dessins animés, la télévision. Quand un enfant regarde un dessin animé occulte, ou du moins un dessin animé où on présente des symboles sataniques, des symboles, un œil, les triangles, des symboles du diable dans le dessin animé. Vous voulez que l'enfant reçoive quoi? Dès que l'enfant se met tout simplement à aimer la chose, facilement les démons peuvent entrer, le diable peut le visiter et l'initier. S'il voit que cet enfant a une étoile qui brille, qui sera plus grande utilité pour lui, c'est facile. Même à l'école, on initie les enfants. C'est facile. Maintenant, quand on parle des sirènes, il y a des gens qui pensent que les sirènes, ce sont des bonnes personnes. Parce que j'ai regardé des dessins animés où les gens ont présenté les sirènes comme de bonnes personnes, des personnes qui sont gentilles. Non, mes frères et sœurs, les sirènes ne sont pas des bonnes personnes, ce sont des démons. Est-ce qu'un homme peut avoir une queue de poisson? C'est impossible. C'est un démon qui se trouve dans l'eau. Qui se déguise, qui peut prendre même la forme d'une femme ordinaire comme les femmes que vous voyez dans ce monde, mais c'est un démon. Et quand on se marie avec ce démon, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de se marier avec ce démon, même des artistes célèbres, des chanteurs, des mystiques. En Afrique, on appelle des gens de démons là les Mami Wata. Si vous avez déjà entendu ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas nouveau. De tels témoignages, je pense que à ce niveau de combat spirituel ou que le monde traverse aujourd'hui, je pense que ces genres de choses ne doivent pas vous étonner.
ça ne doit pas vous surprendre, ça ne doit pas même vous faire peur. Parce que jusqu'à là, il y a certains qui ont peur quand on parle de satanisme. Nous, on parle des sirènes, on parle des démons. Les démons sont parmi vous déjà, parmi nous. Et ils nous combattent sérieusement. Nous vous rappelons que Nyos Reborn était là avant, avec 11 000 abonnés. Le monde des ténèbres a vu la puissance qui s'est dégagée de Nyos Reborn et ils ont organisé un complot pour que Nyos Reborn soit clôturé. Mais Nyos Reborn est là encore devant vous. Il renaît en force et en puissance. Retenez tout simplement Nyos Reborn dans votre esprit et le logo. Regardez bien le logo, regardez bien le nom. À chaque fois que nous serons attaqués, que les chaînes seront clôturées ou fermées, nous allons ouvrir encore des chaînes. Nyos Reborn, même type, ça ne va pas changer. Et les mêmes vidéos seront là pour que vous soyez toujours avertis du danger qui guette le monde et que vous soyez tout simplement sauvés. Nous comptons sur vous pour vous abonner, nous comptons également sur vous pour partager cette vidéo à tout le monde pour que les gens puissent se réveiller et qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que toi, papa qui me regarde, toi, maman qui me regarde à ce moment-là, tu pourras confier la vie de tous tes enfants à Dieu. Et conduis tous tes enfants à l'église avec toi, leur prêcher la parole de Dieu, leur présenter Dieu le premier. C'est-à-dire, quand l'enfant naît là, tu dois être le premier à dire à l'enfant que Jésus-Christ est ton Seigneur. Suis-le. Une fois que l'enfant a déjà ça à l'esprit, même s'il regarde des dessins animés, ce sera difficile pour lui de dévier du chemin, de ce bon chemin même que vous lui avez présenté. Parce que si j'ai initié cet enfant qui peut même être votre enfant, ça veut dire qu'il y a un danger qui guette le monde et qu'il faut que vous vous réveillez aujourd'hui. Il faut que nous nous réveillions aujourd'hui. Que Dieu lui-même veille sur vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu protège nos enfants et notre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur moi, on se prépare. Let's go. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dieu bénisse et vous garde.